Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtue, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'une petite information en ce qui concerne mes crews. Donc la vidéo va pas durer longtemps, je vais m'expliquer clairement, donc restez bien jusqu'à la fin pour les explications. Donc il y aura 4 crews différents, donc je vais les expliquer un par un. Donc il y en aura 2 pour Xbox 360 et 2 pour PS3. On va tout simplement commencer par les crews de ma chaîne secondaire. Donc si vous n'êtes pas abonné ou si vous n'avez jamais été faire un tour dessus, je vous invite à aller faire un tour. On vient de passer la barre de 2300 abonnés, donc il y aura un lien en annotation et un lien dans la description. Donc il y aura 4 crews, donc 2 crews pour ma chaîne secondaire et 2 crews personnels que j'ai créé, pas que j'ai créé moi-même, mais qui sont à mon actif personnel. C'est-à-dire que je suis capitaine sur ces crews, mais sur les crews de ma chaîne secondaire, je ne suis pas capitaine, étant donné que je ne peux pas avoir plus de 5 crews, je crois. Donc je serai capitaine que du crew Xbox 360 et pas celui PS3. Mais ce crew consistera à quoi? Donc vous pourrez le rejoindre, donc tous les liens seront dans la description. Et vous pourrez le rejoindre, et si jamais un des modérateurs PS3 vous invite pour faire une course, et bien vous pouvez tout simplement le rejoindre. Donc cela facilitera à avoir plus de monde dans les courses, parce que moi quand j'invite du monde, certes il y a énormément de personnes qui me rejoignent, parce qu'ils voient mon pseudo, ils se disent c'est Virtue, je vais aller jouer avec lui, etc. Moi ça me fait énormément plaisir de voir autant de monde me rejoindre, alors qu'à l'habitude j'ai pas l'habitude forcément de voir autant de monde me rejoindre. Mais quand mes potes, les modérateurs invitent des gens de mon crew, c'est-à-dire qu'ils sont dans mon crew les pommes de GTA 5, quand ils invitent, il y a quasiment personne qui rejoint. Donc du coup, voilà. Du coup, on a créé un crew spécial pour les Only Best Racers, donc pour ceux qui feraient des courses assez souvent. Si jamais vous voyez un des modérateurs vous inviter ou quelqu'un vous inviter avec l'idée du crew, vous pouvez tout simplement rejoindre. Donc ce sera peut-être pour une course qui passera sur la chaîne un de ces jours. Donc on est vraiment très actif, on essaye de vous poster du contenu assez souvent, donc une vidéo par jour, donc une course par jour Xbox 360 et PS3. Et du coup voilà, donc tous les liens se trouveront dans la description, donc le lien pour Xbox 360 et le lien pour PS3 pour ceux qui voudraient rejoindre ce crew. Et du coup voilà. Maintenant on va passer au crew un peu plus personnel et ce qui concerne moi et ma chaîne. Donc vous le savez très bien, donc mes crews je les appelais les pommes de GTA. J'ai changé, maintenant ça s'appellera plus les pommes de GTA mais tout simplement les loups de GTA 5 et le loup de GTA. Donc pareil que pour la Only Best Race, il y aura un crew pour PS3 et un crew pour Xbox 360. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que quand je fais des activités, des courses ou même des affrontements ou même des... autre chose, mais quand j'invite, il y a beaucoup de joueurs PS3 qui sont invités et du coup les joueurs PS3 ne peuvent pas venir. Du coup ça fait que la minorité Xbox 360 ne peut pas forcément me rejoindre et ne peut pas forcément accepter mes invitations. Donc c'est pour ça que je vais créer deux crews, que je les ai créés, et du coup il y aura un crew pour Xbox 360 que je serai... je serai capitaine, et pareil pour le crew PS3, donc je serai capitaine sur les deux crews, comme ça je pourrai gérer si jamais il y a des problèmes. Et du coup comme ça, si jamais des joueurs Xbox 360 sont dans mon crew, moi j'y serai, je valserai entre les crews parce que j'ai 5 crews à mon actif. Pour le moment j'ai 5 crews, donc 4 crews que vous avez remplis à 1000 membres, non 3 crews que vous avez remplis à 1000 membres et 2 crews qui sont pour le moment à 50 membres. Donc j'ai fait une petite publication sur Facebook et Twitter hier soir. Et du coup voilà, vous rejoignez le crew que vous voulez, donc pour Xbox 360 et PS3. Je demanderai tout simplement à aux joueurs PS3 de ne pas rejoindre le crew Xbox 360. Et les joueurs Xbox 360 de ne pas rejoindre le crew PS3 s'il vous plaît. Comme ça les joueurs PS3 peuvent s'inviter entre eux et jouer entre joueurs PS3 dans le même crew. Et moi je peux inviter des abonnés Xbox 360 à venir jouer avec moi pour faire des courses, des activités, des affrontements, bref un peu tout ça. Donc voilà, tous les liens seront dans la description. Si vous n'avez pas été faire un petit tour sur ma chaîne secondaire, je vous invite à aller faire un petit tour. Hein, si jamais vous êtes un grand fan de courses what the fuck épiques ou même des fun... des courses fun, je vous invite à aller faire un tour. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook et Twitter, donc tous les liens se trouveront dans la description. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez vraiment un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Partagez-le sur Facebook et Twitter, ça me ferait énormément plaisir. Lâchez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao baby tout le monde.